Monsieur le chevalier de Boufflers, qui lui avait envoyé une pièce de verre intitulée Le Cœur. Certaines dames honnêtes et savantes et profondes, ayant lu le traité du cœur, disaient en se pâmant que j'aime cet auteur. Ah, je vois bien qu'il a le plus grand cœur du monde. De mon air au printemps, j'ai vu passer la fleur, car pourtant me parle encore. Du nom du petit cœur que mon amant m'honore, je sens qu'il me fait trop d'honneur. Hélas, faibles humains, quel destin sont les nôtres, qu'on a mal placé les grandeurs, qu'on serait heureux si les cœurs étaient faits les uns pour les autres. Illustre chevalier, vous chantez vos combats, vos victoires et votre empire. Et dans vos vers heureux, comme vous plein d'appât, c'est votre cœur qui vous inspire. Quand Lisette vous dit « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Sur l'heure, elle l'éprouve. Il dit avec franchise « Il eut encore plus de valeur quand il était homme d'église. »